Salut, moi c'est Marcus, tout simplement Marcus, voilà, on m'appelle comme ça et aujourd'hui, regardez, on va tester Tomorrow Never Die, c'est-à-dire l'avant-dernier James Bond, pas le tout dernier, tout récent, celui avec Sophie Marceau. Je ne l'ai pas vu, mais tu m'attends au pire parce que Sophie Marceau, bon, elle avait quand même déjà gâché Braveheart avec seulement 2 minutes de présence dans Braveheart, elle se mettait un poteau et faisait « Je crois que je l'aime !» Donc je sais pas ce qu'elle va faire dans le prochain, ça s'appelle Le Monde et ne suffit pas ou un truc comme ça. Elle va faire un truc genre James, mais tu t'aimes fou pas mal que je sois heureuse ou malheureuse, j'ai coupé ma frange et tu l'as même pas vu. Donc ça doit être pas mal, je critique par pure méchanceté parce que je l'ai même pas vu. En tout cas, Sophie Marceau n'est pas dans Tomorrow Never Die, le jeu qui nous occupe aujourd'hui puisque c'est l'adaptation du précédent James Bond. Souvenez-vous, il y a eu GoldenEye sur Nintendo 64 qui est un chef d'œuvre et qui est vraiment peut-être le meilleur jeu de la Nintendo 64. Et là sur PlayStation, on se retrouve avec Tomorrow Never Die, qui n'est pas le meilleur jeu de la PlayStation, mais qui est un petit jeu bien sympa, parce qu'il y a pas mal d'épreuves différentes, il y en a près d'une dizaine, avec des choses qui changent à chaque fois. Donc le gros de l'action, c'est plutôt de la baston, vous avez des gros flingues, des fusils à lunettes, des silencieux, etc. Ça ressemble beaucoup à Siphon Filter, pour ceux qui connaissent ce genre de jeu. Donc voilà, c'est plutôt le corps de l'action, c'est ça, c'est se battre contre les gars à coups de flingues, de grenades et tout ce qu'on veut. Et puis de temps en temps, il y a des petites séquences qui viennent entrecouper. Vous avez vu le générique, il y a une séquence où vous conduisez une voiture bourré de gadgets, il y a une séquence où on fera du ski, j'espère qu'on va y arriver assez vite si je suis pas trop mauvais, enfin voilà, donc c'est un peu panaché, un peu varié, ça reprend les événements du film, donc voilà, pour si vous avez aimé le film, bah pourquoi pas, moi j'ai trouvé que c'est un peu confus le film, en tout cas je préfère le jeu que le film. Ah regardez Pierce Brosnan, le vrai, le nouveau James Bond, c'est sûr ça vaut pas Sean Connery, mais bon allez, il est sympa quand même le Pierce, donc on lui en veut pas. Alors regardez, il est pas mal animé, il peut tirer sur des caisses, on peut viser un peu plus précisément en faisant apparaître le truc de visée. De temps en temps dans les caisses, il y a des choses à ramasser. Là je suis en train de me dire que pour un agent secret je commence très très mal. Et pourtant le garde ne m'a pas entendu, comme quoi et ben j'en ai de la chance. Alors donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut faire soit bourrin, soit un peu plus fin. Là par exemple, je vais buter ce gars sans qu'il se rende compte de rien pratiquement. Alors je peux aussi foncer dans le tas, il y a un viseur on va dire manuel, on peut faire ça à l'artisanal, vous voyez, ou alors on peut faire ça carrément au bourrin, en tirant un peu à l'aveuglette, puisque regardez, les ennemis sont ciblés automatiquement, là j'ai pas besoin de me fouler, ça se fait tout seul, et il y a des espèces de viseurs qui se mettent au-dessus de l'adversaire, et voilà, donc il suffit juste que je me déplace pour éviter les balles qui filent quand même pas mal, parce que tout le monde me tire dessus dans cette histoire. Mais c'est de bonne guerre, puisque moi-même, je suis quand même pas super sympa comme gars. Bon, on va faire le tour de ce bunker, puisqu'il y a un gars dedans. On va essayer de le déloger. Vous voyez, il peut marcher sur le côté. Ça, c'est pratique pour essayer de choper des gars. Mais la caméra se met pas forcément toujours au bon endroit. Voilà. On va rentrer dans le bunker, il y aura peut-être des choses à attraper. Alors, le problème un peu de ce jeu, c'est que la jouabilité est pas excellente. Si on compare à Siphon Filter, où quand même c'était d'une autre tenue, on arrivait à jouer beaucoup plus facilement. Là, il faut reconnaître qu'il y a des moments où on rame un peu. Au lieu de tirer sur des caisses, je ferais mieux de tirer sur des gars, moi. Parce que les caisses ne me tirent pas dessus, contrairement aux gars. C'est pour ça que j'ai une certaine lâcheté et j'aime bien tirer sur les caisses. Bon, mais vous avez vu, il y avait un gilet pare-balles dans la caisse. Donc, j'en profite et je le ramasse. Alors maintenant j'ai dû choper un fusil à lunettes qui était dans le bunker, donc je vais changer d'arme. Regardez, c'est là, sous mon petit cou, j'ai un fusil d'attaque et un fusil à lunettes. Donc ça permet évidemment de zoomer et de tirer sur les gars qui prendraient le frais à la terrasse. Oh, vous avez vu, il est tombé. Pas mal. Donc par contre, pour passer à l'assaut ensuite, je vais prendre quelque chose de plus costaud. On va prendre le fusil d'attaque. Donc à droite c'est les armes, à gauche c'est les gadgets et les medikits, les choses que vous pouvez utiliser pour vous refaire une petite santé. Où sont les adversaires? Je ne vois personne. Ah, ils m'ont pas vu. Super, j'en profite. Si j'essaye de viser, j'essaye de faire viser laser avec un truc de bourrin, ça va pas marcher, évidemment. Voilà, elle pousse des cris atroces. Alors, c'est des méchants russes, hein, évidemment, puisque dans tous les James Bond, de toute façon, les méchants sont russes. Il faudrait qu'ils se tiennent un peu à jour, les scénaristes de James Bond. Qu'ils changent un peu, ils sont plus méchants, les Russes, maintenant. Terminé ce temps-là, enfin. Donc mon objectif là, on n'a pas écouté le briefing parce que je bavardais sans arrêt, vous connaissez, du bon travail mais des étourderies et beaucoup trop de bavardage évidemment, ce qui explique pourquoi je suis si mauvais souvent. Le briefing c'est de faire sauter une espèce de gros antenne satellite, donc il faut s'approcher et désigner l'antenne satellite à nos petits camarades qui eux vont les faire détruire depuis le ciel, par satellite aussi en fait. Allez donc, mais il est en téflon ce gars là, c'est pas possible, veux-tu tomber? Je veux bien que je vise mal, mais il y a quand même des limites. Ah, vous voyez, c'est pas très précis. Là, je suis avec une manette analogique, pourtant, j'ai un peu de mal à viser. Bon, voilà, puis comme ça, je n'ai plus de munitions. Donc, tant pis, puisqu'on m'empêche de faire en finesse, je vais faire au bourrin. Voilà, tac, tac.
Ah bah voilà, voilà, ça m'apprendra. Heureusement, on a droit à 3 vies, donc j'en profite et je récupère. Il doit y avoir un gars dans le bunker, je pense. Pareil, je vais faire le tour du bunker. En plus, il y a un gilet pare-balles dans ce bunker. Alors vous avez vu, quand on est un peu trop près du décor, James Bond passe en vue subjective carrément. Alors ça, c'est un peu troublant parce qu'on est habitué à le voir de dos et quand tout à coup on rentre en vue subjective, c'est sûr que c'est plus pratique. Mais par contre, on a un peu de mal à se repérer et un petit temps d'adaptation. Donc voilà, faut s'habituer un peu à ce jeu, un peu à toutes les commandes qu'il propose parce que c'est pas toujours facile. Allez, on va rentrer dans la grotte là. Et on va essayer d'aller au bout pour trouver cette espèce d'antenne satellite. J'aime bien la musique, c'est la musique des James Bond d'époque en plus. Un peu les Shadows à l'époque, les guitares électriques avec une grosse distorsion. C'est bien sympathique tout ça. Allez, je fonce dans le tas. J'ai pas peur, j'ai pas mal. Peut pas être secret, mais bon. Là, c'est mon choix, hein. Je décide de faire le bourrin, mais vous pourrez jouer beaucoup plus finement en vous cachant, en marchant doucement, en essayant de pas faire de bruit pour pas vous faire repérer. Donc vraiment, ce qui est bien avec ce jeu, ça c'est le truc qui est appréciable, c'est qu'on peut choisir un peu son mode de fonctionnement. On peut faire soit bourrin, soit très fin. Allez, là regardez, je désigne le satellite à mes copains et ils vont le faire exploser. Allez, pof ! Alors par contre, vite filon, là ça va faire arriver un hélicoptère avec plein de gars. Donc je vais peut-être aller me planquer un peu plus loin quand même. Puis il y a un type là-haut, je vais aller le déloger déjà, ça évitera qu'il me tire dans le dos lâchement. Alors vous voyez, les vues sont pas toujours bien choisies. Surtout quand vous êtes en hauteur, c'est pas toujours facile d'aller viser les gars qui sont en bas. Alors on peut faire sauter aussi, ça c'est pas mal. On peut faire sauter évidemment les... Vous voyez, on peut provoquer une explosion en chaîne. Je l'ai fait un peu trop tôt parce que normalement ça m'aurait permis de me débarrasser de tous ces types qui vont descendre d'hélicoptère. Ah, ils font des belles roulades, vous voyez, ils esquivent pas mal quand même. Ça c'est sympa, moi aussi je peux faire des roulades. Je voulais pas montrer, je crois. Mais je peux m'accroupir pour essayer... Alors vous voyez, par exemple là, la descente d'escalier, c'est un peu laborieux. Hein. Je peux m'accroupir pour essayer de mieux viser. On va le faire juste pour vous faire voir. Ah, il est un peu loin, c'est dommage. Allez, accroupis-toi s'il te plaît, mon James. Voilà, et après je peux faire des roulades sur le côté. Pour tromper un peu l'adversaire. Voilà, j'ai vraiment besoin de munitions et je vais prendre un plus gros flingue que ça. Alors le problème, c'est le manque de précision, effectivement, dans les mouvements. Quand vous voulez ramasser un objet par terre, par exemple, c'est souvent laborieux et pas toujours facile à faire. On va changer de fusil, on va prendre un fusil d'assaut. Ils vont moins rigoler, les gars, en face. Je vais aller choper ce medikit, sinon je vais pas en sortir. Alors, vous voyez, on peut se mettre à l'abri derrière, on peut s'accroupir, ça c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, pas très jouable, c'est un peu dommage. Ils auraient un peu amélioré la jouabilité, ça aurait fait vraiment un jeu sympa. Et là, franchement, on est un peu déçus à cause de la jouabilité. C'est surmontable, mais bon, il faut quand même du courage pour surmonter ça. Allez, envoyez les gars, voilà. On va pas leur laisser le temps de descendre, on va les flinguer tout de suite. Un autre peut-être ? Merci. Mac a commandé. Si vous avez besoin de méchants, vous passez un petit appel. Un cheeseburger, une petite frite. On envoie. Allez, voilà. Un russe, s'il vous plaît. Un russe en cagoule. Un terroriste. Par contre, je ferais bien d'aller choper des munitions. Là, ça, c'est la commande que j'aurais dû passer au Père Noël tout de suite. C'est des munitions parce que je vais être assez démuni face à tous ces gars. Voilà, on va reprendre ce fusil-là déjà. 11 balles de fusil, ça devrait aller. Ah, voilà, il y a un passe par terre, regardez. Le truc vert, normalement, c'est un passe. Si j'arrive à l'attraper, vous avez vu que c'était pas très précis. Donc vraiment, ça c'est mon gros reproche. Quand il s'agit de récupérer des objets au sol, c'est pas facile. Voilà, donc j'ouvre, clac. Si j'avais pas eu le passe, il m'aurait dit, il vous faut un passe pour faire ça, monsieur. Je serais revenu. Et regardez, maintenant, James Bond va chausser des skis. Il va faire un petit truc de location, il est comme ça, James Bond. Et on va faire une petite descente en ski. Donc c'est pas mal, ça varie un peu. Bon, honnêtement, la descente à ski, c'est pas super bien fait et pas génial, mais bah, ça rafraîchit un peu, ça change. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances à la neige, voilà, on peut faire James Bond et dévaler des pentes. Vous allez voir qu'il y a des méchants qui arrivent, alors je peux leur filer des coups sur les côtés. Ouh, c'est ce que je suis en train de faire là. Surtout me prendre une gamelle. Ah voilà, vous voyez, il y a des gars qui essayent de kikiner un petit peu. Je dis en kikiner, j'aime bien ce mot-là. Comme ça, on voit que je suis vieux. Oh là là, je me suis payé un arbre. Voilà, alors il y a des petits raccourcis, il y a plusieurs bifurcations. C'est plutôt sympa. Essayer de faire ce qu'on peut pour arriver le plus vite possible en bas. C'est pas très très dur, c'est pas non plus très très intéressant. Simplement, ça change un peu. Alors, il y a une autre séquence comme ça où vous conduirez une voiture. Mais encore une fois, le gros de l'action, c'est plutôt tirer sur tout ce qui bouge. Avec quand même certaines finesses, puisqu'il y a une mission ensuite où on vous demande de prendre des photos.
Donc il faut découvrir des armes, il y a un marché aux armes, et il faut essayer de découvrir, de prendre des photos des armes pour compromettre un peu les terroristes qui essaient de vendre ces armes au marché. Donc vous avez un appareil photo parmi les gadgets, et puis vous prenez des photos des missiles qui sont un peu rangés sur place, qui sont sur l'étalage du marché. Voilà, donc c'est pas toujours tiré sur tout ce qui bouge non plus. Il y a des trucs un peu malins avec des mises à retardement qui se déclenchent avec une télécommande. Enfin, c'est sympa parce qu'on retrouve vraiment le côté James Bond avec plein de séquences un peu choc et un peu sympa. Et puis aussi des gadgets, c'est ça. Oh, regardez, c'est pas beau! Des grands moments. Et puis des gadgets. Donc, c'est James Bond tout ça, des gadgets, des flingues. Ça manque un peu de nana, je trouve, à part celle qui fait le briefing. Pour un James Bond, c'est un peu pauvre en gusès. Par contre, il y en a dans le générique, ils ont mis le générique. Oula! Ils ont mis le générique du film carrément, avec la chanson Tomorrow Never Die par Sheryl Crow. Moi j'adore, j'avais acheté le disque. Donc ça fait plaisir de retrouver ça. En tout cas, le film est bien utilisé, il y a des extraits de films entre deux séquences. Alors, regardez ça, c'est magnifique! Il va nous ouvrir le drapeau anglais! Ah, j'adore ça. Donc, c'est pas très jouable, mais sinon pour le reste, c'est plutôt bien fait. Les musiques sont bien, les séquences sont assez originales, donc vraiment c'est bien. Est-ce qu'on va avoir le temps de voir un petit bout d'autres séquences? Ouais, allez, on va laisser le chargement aller jusqu'au bout. Donc voilà, encore une fois, c'est pas le dernier James Bond, c'est celui d'avant, Tomorrow Never Die. Ça n'a rien à voir. Alors voilà, bon, les petites statistiques, on va passer un peu. Regardez, vous voyez, il y a 10 séquences en tout. Je vous le dis tout de suite, ça se finit quand même assez vite. On a assez vite fait le tour en un après-midi. Normalement, c'est bâché, c'est bâclé et on n'en parle plus. Voilà. Oh, est-ce qu'on va voir la séquence? Non, non, Pierre, on n'a plus le temps. Vous ne verrez pas la séquence. Il faudra acheter le jeu ou voir des démos. Tant pis. Voilà, c'était Level 1, Marcus James Bond. À bientôt pour un prochain Level 1. Désolé. Ciao.